Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de grammaire, c'est le sujet. Donc, dans une phrase, le sujet indique qui fait l'action ou de qui on parle. Pour reconnaître le sujet d'un verbe, on peut poser la question « qui est-ce qui ?». Voici quelques exemples. Nadia sort de la classe. Alors, il faut toujours demander « qui est-ce qui sort de la classe ?». C'est Nadia qui sort de la classe. Alors, ici, le sujet, c'est Nadia. Le sujet peut prendre la forme d'un groupe nominal, comme par exemple, les petits élèves prennent une photo. Alors ici, qui est-ce qui prend une photo? Ce sont les petits élèves. Alors, le sujet ici, c'est les petits élèves. Il peut prendre également la forme d'un petit mot, comme cet exemple, elle joue à la guitare. Alors, qui est-ce qui joue? C'est elle. Alors, donc, elle est le sujet du verbe dans cette phrase. En résumé, dans une phrase, le sujet du verbe indique qui fait l'action ou de qui on parle. Pour le reconnaître, on peut poser la question qui est-ce qui? Donc, le sujet peut être un nom propre comme Nadia, un groupe nominal comme les petits-enfants, ou bien un pronom qui le remplace comme elle ou d'autres pronoms. Merci beaucoup. À très bientôt.